Le président de la République islamique de Mauritanie, Ould Cheikh El Ghazouani, s'est rendu le 27 décembre 2021 en Algérie pour une visite de 3 jours. Cette visite est initiée dans le but de renforcer les relations bilatérales et de raffermir la coopération au mieux des intérêts des deux pays frères, selon un communiqué de la présidence de Mauritanie. Le rapprochement entre la Mauritanie et l'Algérie pourrait se justifier par les enjeux géopolitiques qui règnent dans la région en tant que telle. Et pendant longtemps, la Mauritanie est restée sous le protectorat notamment du Maroc par rapport à la question essentiellement du Polisario. Donc on peut déjà comprendre déjà que l'Algérie, dans le cadre de son offensive diplomatique, tente au lieu de renforcer son précaré dans le Maghreb en tant que tel, après les visites successives en Tunisie, en Égypte et aujourd'hui avec le rapprochement avec la Mauritanie. Cette visite du président mauritanien en Algérie intervient après la signature en avril dernier d'un mémorandum d'entente sur la création d'un comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien. Un comité dont l'objectif est de renforcer les opportunités d'investissement au niveau des zones frontalières communes. Ainsi, cette rencontre, selon des observateurs, permettra aux deux pays de mieux élaborer les conditions de ce comité bilatéral. L'Algérie a fortement appuyé la Mauritanie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en tant que tel. Lorsqu'on parle de G5 Sahel aujourd'hui, la Mauritanie semble être le seul pays qui fait face à une résilience internationale face à ce phénomène en tant que tel. Rappelons que c'est sur invitation du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, que le président El Ghazouani a effectué cette visite. Soulignons par ailleurs que l'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de la Mauritanie. Par ailleurs, entre janvier et mars 2021, 111 opérateurs d'exportation vers la Mauritanie ont été réalisés via le poste frontalier terrestre Chaïd Mustapha Ben Boulaïd.